Salut les amis, je prends quelques instants pour vous amener une réflexion sur la sécurité intérieure. Est-ce que ça vous arrive, vous autres, de ne pas vous sentir en sécurité, par exemple, en amour ou par rapport à votre travail ou par rapport à l'argent ou par rapport au manque de confiance en dedans de soi? Ces éléments-là touchent bien des gens dans notre réalité, on le sait, et on n'est pas à l'abri de ça, personne. Sauf que comment on en arrive à se positionner dans tout ça? Donc, je suis Lynn Bolduc, ça fait plusieurs années que je suis conférencière, formatrice dans les entreprises, au sein du grand public, pour toute personne qui a le goût de s'épanouir pleinement. Et c'est dans ce sens-là aujourd'hui qu'on va aller pour faire cette connexion en dedans de soi qui nous ramène à croire en soi pleinement. Donc, je vous invite à me laisser vos commentaires sous la vidéo. C'est toujours plaisant quand je vous sens là, de me mettre des petits pouces, des petits cœurs qui me fait savoir que vous êtes là. Et c'est toujours une belle interaction que j'apprécie, votre présence. Donc, la sécurité, quand on la place sur l'extérieur, comme on a appris beaucoup dans nos générations passées, dans notre éducation, avec tout le respect qu'on doit à nos parents, souvent on sécurise, oh, on a une maison, la maison est payée ou pas, bon, il y a une relation de couple qui fonctionne ou pas, ce qui crée insécurité ou insécurité. Ah, j'ai confiance en moi suffisamment ou pas. Et on sait que dans les petits tests que j'ai faits personnellement, autant en ligne que sur, dans mes groupes, 80% des gens à peu près me disaient manquer de confiance en eux-mêmes. Donc, c'est dur de se sentir en sécurité quand ces bases-là sont en mouvance d'une certaine façon. Donc, se sécuriser par les standards sociaux, maison, famille, couple et tout ça, c'est un facteur de risque, même si on a beaucoup de gratitude pour. Alors, on est dans une société en perpétuel changement. Qu'on soit entrepreneur comme moi ou qu'on soit journalier ou peu importe, on a quasiment à se réinventer dans nos façons d'être, dans nos façons de faire au quotidien. Donc, ce qui nous rend insécure, si c'est le cas, c'est ce changement-là qu'on n'a plus le choix dans notre ère actuelle de s'adapter. Et c'est une bonne nouvelle parce que ça nous amène justement à se transformer. C'est une belle occasion de construire. Mais c'est ce qui se passe dans les relations de couple aussi. On voit souvent que dans une première relation, il va y avoir 50% de séparation. Ça peut monter à 60-70% de taux de séparation dans 2-3 relations après. C'est encore des incompréhensions de soi, de l'insécurité qui fait que je donne le mandat à l'autre de me rendre heureux ou heureuse. Même chose au travail. Si on a la terre entière pour aller travailler, qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve à un tel endroit aussi? Oui, on est dans une ère de pénurie de main-d'œuvre, on est dans une restructuration de nos organisations professionnelles sans précédent. Où est-ce que l'être humain est mis au centre de tout ça? Mais moi, comme personne, je dis moi, c'est chacun de vous autres aussi, comment on peut se réinventer? Comment on peut devenir des semeurs de bonheur, faire la différence dans notre vie, y compris celle des autres? Bien, tout ça passe par de voir ce qu'on a de meilleur en dedans de soi. Et la plus grande sécurité qu'on peut avoir se base à partir de ça. Qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce qui est là comme force, comme talent, comme potentiel de créativité que si je me connecte à ça, les éléments extérieurs pourront changer, mais moi je vais rester centrée. C'est certain que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On n'est pas à l'abri, qui que l'on soit, d'avoir des grands détours de vie. Il y en a que leur entreprise va super bien, des fois, du jour au lendemain, il arrive une conjoncture des marchés, c'est plus la même chose. Oups, ils se retrouvent avec des stress, vous avez une perte d'emploi. C'est dur de se sentir en sécurité par rapport à l'argent dans ce temps-là aussi, on le comprend très bien. Sauf que, est-ce que l'insécurité, la peur du manque vont venir changer quelque chose? Non. C'est vraiment de revenir à soi tout en puissance dans ce temps-là. Et comment on en arrive à le faire? Bien, c'est de comprendre dans un premier temps que tant qu'on s'accroche aux autres, à l'extérieur, à notre emploi, à notre conjoint, conjointe, nos proches, nos amis, qu'on s'accroche là, vraiment, là, si eux autres ne sont plus là, là, je ne suis rien sans toi, je ne suis rien sans ça, on s'entend que notre identité n'est pas positionnée au bon endroit. Donc, ça crée un stress pour le futur, on se sent attaché à quelque chose d'extérieur, je le répète. Donc, c'est un manque d'authenticité par rapport à soi-même dans ce temps-là. Et puis, c'est l'occasion de revenir dans l'espace de la sécurité qui libère. Si je vous parle de ça aujourd'hui, je l'ai déjà vécu, croyez-moi. J'étais une personne qui se sentait profondément insécure et j'attirais des gens qui étaient plus, sans dire manipulateurs, mais qui pouvaient, à qui je donnais mon pouvoir d'une certaine façon. Donc, quand on rebâtit cette sécurité-là, on n'est plus dans le besoin de l'extérieur pour se sentir quelqu'un, pour combler un vide, pour se sentir exister.
on est capable d'être dans un pouvoir créateur qui est beaucoup plus grand et en dedans, ça fait wow. Donc, ça nous amène à se détacher des modèles désuets où est-ce qu'on a cru qu'on devait porter des costumes, un costume professionnel pour se sentir quelqu'un. Vous l'avez vu, des fois, on demande à quelqu'un, « Ah, parle-moi de toi. Ah, moi, je suis une infirmière. » Non, parle-moi de toi, de la femme ou de l'homme que tu es dans ton rôle de personne qui vit au quotidien. Là. C'est beau, l'aspect professionnel, certes, mais on n'est pas juste ça. Donc, si on se détache de, OK, notre identité d'homme ou de femme qui est en couple, de travailleur, de travailleuse, puis qu'on regarde qui je suis comme personne, moi, qu'est-ce que je veux, et qu'on se donne les ressources, les moyens d'agir pas à pas pour aller en ce sens, déjà là, on devient proactif et en transformation pour que ça soit beaucoup plus solide en dedans. C'est comme la joie de vivre. Il y a une différence entre la joie et le plaisir. Le plaisir d'être entre amis, prendre un bon repas, c'est merveilleux. Mais la joie va se créer beaucoup plus quand on dit « Ok, je crée ma sécurité en dedans de moi, par exemple. Je suis ouverte au meilleur de qu'est-ce que la vie m'amène, mais toujours en cadre de référence qui est soi-même, ça change tout. » Donc, la vraie sérénité, vous pouvez entre autres la créer juste en prenant ne serait-ce que quelques minutes par jour, le matin au réveil, entre autres. On dit que notre inconscient est dans une facilité à capter les nouvelles données invraisemblables. Même chose quand on se couche le soir. Vous savez, quand on est comme en deux, là. Donc, ne serait-ce que 5 minutes, on pourrait parler de visualisation, méditation, peu importe les mots. Juste faire le calme en dedans et d'aller chercher cette espèce de clarté-là par rapport à soi. Moi, j'ai écrit mes livres, mes conférences, tellement de décisions se sont prises dans cet espace-là. Parce qu'on est ouvert à toute la force qu'il y a en dedans de soi. Notre mental, notre inconscient, notre intuition dirait que dans ces espaces-là, le matin et le soir, avant de s'endormir, ça se connecte ensemble avec encore plus de puissance. Donc, vous pourriez juste placer l'intention de créer cette sécurité-là en dedans de vous dorénavant, d'être ouvert à qu'est-ce qu'il y a comme ressources, comme articles, comme lecture, comme message qui vous vient d'amis, de collègues des fois que, oups, attrape au vol, ça vous amène vraiment dans cet espace-là. Et dans votre période qu'on pourrait dire méditative, imaginez-vous comme un écran blanc, un peu comme avant un film où est-ce que vous êtes au cinéma puis juste un écran qui est là. Et juste fixez ça. C'est comme si on arrête le flot des pensées et en fixant ça, sans forcer, juste en jeu, c'est comme si on dirait que ça crée une connexion pour que les informations qu'on a besoin, les idées de génie, les déclics, les inspirations, le désir de se transformer deviennent encore plus présents et que ça crée un « war » en dedans au lieu de dire « bon, faut que je travaille sur moi ». Mettez ça de côté, le mot « travail », ça vient du latin qui veut dire « torture ». Amusez-vous à vous faire du bien, amusez-vous à vous transformer. Donc, vraiment, comment arriver à se sentir en sécurité? C'est de voir où est-ce que dans notre quotidien, on peut s'observer, agir et agir, puis qu'on se dévalorise soi-même et tout ça, de dire non, stop! Moi, en dedans, plus que j'apprends à me faire confiance, plus que j'ai foi en qui je suis et que je me donne les outils en ce sens, plus que ça va faire « wow ». Vous pourriez repenser à un moment où vous avez ressenti plein de confiance, à un autre moment où vous avez ressenti plein de joie, à un autre moment où vous vous êtes ressenti vraiment aimé, et d'aller amplifier ça en dedans de vous, et vous allez sentir que ça, personne ne peut vous l'enlever. Ce sont les bases, la sécurité. Et si vous passez une transition, que ce soit au niveau financier, au niveau affectif, revenez dans ce centre-là pour garder votre puissance et l'amplifier. Sinon, on s'y perd dans le mental qui nous amène des spirales sans fin dans ce temps-là et qui va créer encore plus de manque par la peur. Donc, choisir de revenir à la sécurité intérieure, c'est vraiment en arriver à dire « Moi, je mets de côté les limitations qui ont pu m'empêcher d'aller de l'avant et ça m'aide à libérer les peurs, à me sentir « wow » en dedans comme homme ou comme femme. » Et je vous laisse avec cette petite question. Qu'est-ce qui vous rend insécure s'il y a lieu au quotidien? Ou encore, qui vous rend insécure? Et les réponses à ces questions-là, sans culpabilité, ce sont des éléments qui vous font savoir que quelque chose a été confié à l'extérieur. Donc, à partir de là, vous pouvez développer la croyance que parce que je me sens en sécurité de plus en plus, c'est ce que je choisis, bien, je crée un environnement qui va être à la lumière de mon bien-être, de la façon que je le décide maintenant. Donc,
Vous savez qu'à la lumière de tout ça, oui, j'ai toujours le désir d'aider les gens, de contribuer à travers le monde, à aider chaque personne à s'épanouir. C'est une passion depuis 25 ans. Donc, si vous n'avez pas encore téléchargé le petit e-book gratuit qui est sur mon site internet, qui est un cadeau pour vous, allez voir ça. En rentrant sur lineboldduc.com, lineboldduc.com, vous allez avoir une petite affiche, une petite bonne femme toute joyeuse qui va vous apparaître au bout d'environ 15 secondes. C'est là que vous pouvez vous inscrire pour télécharger ce e-book gratuit-là qui vous attend. Et si vous avez le goût d'aller vraiment plus loin dans cette sécurité-là intérieure, au niveau de la confiance, de la joie, de la santé, de l'amour, du couple, de l'argent, de la réalisation de vous-même, allez voir le site réalisermavie.com et vous m'en reparlerez. Vous allez peut-être trouver quelque chose qui pourrait transformer votre vie. Alors, Céline Boldic qui vous dit merci une fois de plus et je vous invite à choisir la sécurité parce qu'elle est source de liberté, de bien-être, de joie de vivre, bref, de plein épanouissement. Bye bye! Et si vous trouvez une valeur ajoutée dans cette vidéo, merci de la partager.